Mon père est mort il y a 3 ou 4 ans. 4 ans. J'ai jamais aimé cet homme. Ça, c'est le texte de Tchekhov. Moi, je m'appelle Antonin Meyer-Esquire, je suis né en 1983 et j'ai toujours eu beaucoup de mal à aimer le mien, de père. Ça tient certainement à son absence. Mon père nous a quittés, ma mère, mon frère et moi, en 1990. Moi, j'avais 7 ans et lui, 36. Pas très loin de l'âge que j'ai, en fait, là, actuellement. Bon, mais toi, enfin, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce qu'à l'époque, on le voyait comme un maître à penser, un révolutionnaire à la tête de je sais quelle bataille exceptionnelle. Je suis instituteur, c'est tout. Toi? Oui, moi. Incroyable, hein? Mais pourquoi pas plus? Excuse-moi si je suis dur, si je parle comme ça, mais je t'ai aimé, moi. Voilà, je t'ai vraiment aimé. Mon père, il a pris une botte de foin sur le dos un jour parce que j'ai refait la bonne manip avec le pic du tracteur et la botte, elle l'a écrasée au sol, ça lui a détruit le dos. Il s'en est jamais vraiment remis, mais il continuait de travailler. Quand je raconte ça, les gens ils me disent « Ouais, c'est Zola ton truc. » Ouais, c'est peut-être Zola, mais c'est pas un livre, mon truc. Là, on est au bord de l'enfer. Là, je suis déjà capable d'oublier mon mari. Oui, de pas faire attention à ce qu'il dit, d'oublier qu'il est là. Les gens malheureux, ils font le malheur. Oh, oh. Oh! 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 Notre petit Platon, notre philosophe de province, notre poète, sait qu'il est dans une impasse, mais complètement paumé. Les poètes, on s'en passe, Michel. Quand il y en a, c'est bien, quand il y en a pas, c'est mieux. Philosophie de merde! T'as pas honte de mentir? Une nuit pareille? Mais regarde, les étoiles luisent plus fort quand tu mens. Non, je vais faire ce que j'ai fait à toutes les femmes qui sont jetées à mon cou. Ah, t'as une bien haute idée de toi-même, t'es vraiment aussi monstrueux que tu le prétends, je me connais, mais connais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une femme qui est là, c'est pas une bête féroce. Et vous? Vous m'aimez un peu? Toi, tu m'aimes un peu, non? Pas un tout petit peu? Sincèrement? C'est vrai? Mais tu aimes pas qui? Michel ou Antonin? Michel. Ah oui! Ah mais oui, mais attends, tout ce que t'as vu pendant une heure et demie, ça c'était rien, c'était pas moi, ouais, c'était Michel. C'est Michel. Ouais, d'accord, mais moi, je te parle. C'est un bon point de départ. Toi, par exemple, si je te demandais de me consoler, tu dirais oui? Je sais pas faire, je suis nulle à ça. C'est vrai? Tu pourrais apprendre? On pourrait apprendre.